Eh bien bonjour, bonsoir, et on se retrouve sur Lightyear Frontier pour continuer notre aventure. Alors je suis allé déjà un petit peu plus loin, et alors déjà j'avais oublié, c'était d'arroser ici, donc sans arroser ça serait pas poussé. Donc voilà, là on va prendre nos polymures, ici on va arroser pour dire d'être tranquille avec ça. On n'a pas assez d'eau, il faut aller en rechercher. J'ai de l'eau ici. J'avais prévu de me mettre assez proche d'une zone d'eau, justement. On va reprendre de l'aluminium. Et on va regarder pour les constructions que l'on avait à faire. Vous voyez, j'ai des filons d'aluminium qui sont pas loin. Donc ça, je pense que je m'étais vraiment bien mis à ce niveau-là. Et alors, grande nouvelle... Par rapport à la démo, on a d'autres zones telles que les falaises côtières, je suis déjà allé, et dans les basses plaines. Et on voit un petit peu les ressources qu'on a. Donc ici, il y a encore une ressource à retrouver. Hein. Donc voilà, on va aller terminer là-bas. On va aller voir un petit peu l'huile pour faire l'autre forme d'huile. C'est maintenant qu'on a ça, on va pouvoir faire de l'huile polymour. Du coup, là, on peut pas faire autre chose. Là, on a eu les cadres. Est-ce que je peux construire maintenant... Bon, une petite cabane, c'est sympa. Mais c'est pas le but. Alors, ceci... La station d'amélioration. On va pouvoir améliorer le mec... Et pour la station commerciale, il va me falloir ceci, mais je dois améliorer ma poinçonneuse. Donc on va regarder ici l'amélioration de la poinçonneuse. Elle est où? Voilà, il faut des pièces en aluminium. Tant que j'aurai pas des pièces en aluminium, je ne pourrai pas faire la suite. Faire des pièces en aluminium. Il faut de l'huile de polymure. J'en ai pas assez, on va en refaire. Alors on avait été rechercher de l'eau. Je ne peux pas l'arroser. Ok, pas grave. On va continuer le petit farm de ressources. Voilà, on est déjà allé. Il nous faut plus d'aluminium. Et là, on va aller dans l'autre zone, je pense. La forêt dorée, encore une autre zone. Donc il y a vraiment pas mal de découvertes à faire. Alors quand je croise des artefacts, je ne traîne pas, hein. Je les prends tout de suite. Ils sont vraiment cachés au milieu de la forêt, donc autant les prendre. Ça ne me donne pas d'autres types de bois.
On peut y aller à pied, hein, on n'est pas obligé. De se casser la tête avec le robot. Alors, je dois aussi restaurer ici, mais je ne sais pas la maladie de ce biome. Vous voyez, le grand arbre jaune, il me faut la poinçonneuse. Donc peut-être une nouvelle ressource encore à prendre. Alors malgré un accès anticipé, je remarque qu'il y a pas mal de ressources et de contenu, hein, les amis. Faut de l'aluminium avant tout. Et en plus de ça, on n'a pas encore terminé ici la prairie, hein. Quand je vois ce type de structure, je me dis, doit y avoir quelque chose là-bas au-dessus. C'est pas possible. Allez, si je viens ici, au niveau de l'économie, bon, on voit les valeurs de base et... Donc ouais, je pourrais revendre du bois pour racheter des tiges d'aluminium, mais il me faudrait 10 bois. Mais je n'ai pas la station commerciale, hein. Donc est-ce que ce ne serait pas le plus utile à faire, la station commerciale, pour commencer? Alors pourquoi il m'indique cette zone? Je ne sais pas. Bon là c'est... Pour la suite, malheureusement, je n'ai pas la ressource. Il faut d'abord que j'améliore ma poinçonneuse. Allez, je vous propose, je farme un petit peu et on se retrouve tout de suite. Bon, nous voici revenus avec des ressources et j'ai passé la nuit en plus, hein. On va essayer d'améliorer notre poinçonneuse maintenant. On va aller chercher la ressource que l'on avait besoin de l'autre côté. Donc, amélioration du méca. Il me manque une pièce en aluminium. Quatre, il m'en faut 5. Il faut de l'huile de polymure. Ok, on va d'abord arroser tout ça. Ça m'a l'air bien sec. Allez. Il manque une pièce d'aluminium, quoi. Alors par contre, ça c'est embêtant de vraiment devoir repasser à chaque fois par... Désolé. De devoir repasser à chaque fois par cet inventaire. Enfin... De devoir rouler entre chaque ressource en fait. Allez, la première amélioration. Des huiles, c'est embêtant.
C'est gentil, toi. Ah! Désolé, désolé. Sincèrement, désolé. Une deuxième pour refaire une pièce. Et pour faire ma première amélioration. Je la veux cette amélioration. Bon, logiquement, c'est bon. On a la ressource qui nous manquait. Améliorer notre poinçonneuse si elle est cherchée. Voilà, ici. Voilà, ça c'est fait. Bon, maintenant on va pouvoir améliorer des choses ici. Voilà, tout ce que je peux faire, c'est ça. Ok, et la personnalisation du mecha, mais ça pour l'instant, nous ne le ferons pas. Alors, les ressources rouges, elles étaient là-bas, me semble-t-il. Ou là-bas. Attendez. Bon. Va aller voir là-bas. Comme ça, je vous montre en même temps cette zone. Mais c'est pas la vallée rouge. C'est pas là-bas. Donc je vous montrerai pas cette zone maintenant. Désolé. Voilà, elles sont là-bas les ressources rouges. On ira voir la zone juste après. Je vous le promets. Cristal rouge maintenant. Et si je reprends la map, voilà, ça me le met, ça fait partie des ressources de la zone. Donc ça c'est bien, quand on a besoin d'une ressource, il suffit d'aller sur cette zone et de voir si il est disponible ou pas. Est-ce que là je l'avais rassasié? Non, il faut du fourrage savoureux que l'on n'a pas. Alors ça, j'en ai besoin. Les petits choux, vous voyez, le fait de l'avoir remis en état a permis à d'autres ressources de sortir. Et là, on a des artefacts maintenant. What a fascinating discovery. Un petit peu de plateforme. Alors on a 4 sur 9, c'est déjà pas mal. Hein. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et il y en a encore ici au moins 2. Il m'en reste 3 à trouver. Là, on n'a pas de munitions, donc c'est peut-être ça le problème. La
Est-ce que nous étions allés dans cette grotte? Je pense bien que c'est celle que nous avions fait. Ouais. Là, j'ai un fossile d'insecte. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose avec ce fossile d'insecte. En tout cas, je ne sais rien ramasser avec mon personnage. Je suis obligé de passer par le mecha. Et le mecha, clairement, ne rentre pas. Ok, ok. D'aluminium dans le coin. Toi, il faut du savoureux et je n'en ai pas pour l'instant. Je vais t'en faire. Alors, le mecha peut tomber et on le redresse, hein, comme on l'a fait dans la première vidéo. Mais ce toi, je t'ai nourri. Voilà. Faut nourrir les nids. Hein. On a 3 nids à nourrir ici. Alors, il me manquait la station. Ici, je devrais pouvoir faire quelque chose. We can make good use of this. C'est fait. Et on doit attendre l'arrivée de la marchande. Il nous faut du fourrage savoureux. On va faire les 3. Hein. Et alors ici, on ne sait rien faire de plus. Toi, je vais t'en mettre du fourrage. Hein. On va ensuite aller dormir. Et voir si maintenant on a un bonus. Déjà la boîte aux lettres ici, est-ce que j'ai quelque chose? Pas de récompense. Parce que j'ai installé la boîte aux lettres. Et là pour dormir, on n'a toujours pas l'œil affûté. Hein. Donc que s'est-il passé sur cette journée? On a nourri un nid. Ressources bonus restaurées dans cette région. Un peu plus. Nothing like a good night's rest. The decorating you did yesterday really lit up the place. It's really beginning to feel like a home. Allez, petit event, ça on l'avait déjà vu dans... La démo. Alors on va faire le petit event, et à mon avis. Voilà, terminé. Que puis-je faire comme craft avec ça? On va déjà arroser ici. Et j'ai pas trop le choix pour l'instant à chaque fois de remettre ceci parce que j'ai absolument besoin des polymures. Ah, on a de l'huile de chou rouge maintenant.
On va en lancer une. Et on a le marchand. Allons le voir. Voilà, je peux lui revendre des polymures, un prix supérieur, et je peux acheter des ressources telles que des graines de blé, du vintage, des décos. Ok, mais pour ça il va falloir vendre. Ok, donc ça c'est fait. On va se remettre un petit lopin. Ah, on peut mettre de l'engrais. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir pour l'engrais. Là, vous voyez, l'aluminium, il revient tous les jours. Hein. Donc ça, c'est pas mal. J'ai de l'aluminium ici tous les jours. Alors je ne sais pas si la ferme à polymure, si les polymures vont toujours être là. C'est dommage qu'on ne puisse pas faire de graines directement à partir des polymures, en tout cas pas pour l'instant. Peut-être que par la suite on débloquera quelque chose qui permet de le faire. Ok, rien de nouveau non plus. Et là, je vais devoir restaurer les nouveaux biomes. Je ne pense pas avoir de nouvelles constructions. Non. Et je n'ai pas de nouvelles déco, à part la torche que je pourrais mettre ici. Sinon, rien de bien exceptionnel pour l'instant. Ah si, allez, petite fleur. Donc voilà, mais je vous propose dans la prochaine vidéo de se retrouver pour visiter les nouveaux biomes. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Moi, je vais farmer un petit peu et on se retrouve plus tard. Allez, bisous, au revoir.